Les vitamines et les minéraux sont essentiels à notre santé. Par exemple, la vitamine B12 est l'une des vitamines les plus complexes, elle joue un rôle important dans la plupart des processus de l'organisme. Malheureusement, le corps ne la fabrique pas, il est donc indispensable de l'obtenir à partir de l'alimentation. Par ailleurs, une carence peut entraîner de nombreux problèmes de santé et des complications. Voici donc les symptômes à reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. La vitamine B12, également appelée cobalamine, est une vitamine hydrosoluble essentielle à la production des globules rouges, à la santé du cerveau et des fonctions nerveuses, ainsi qu'à la synthèse de l'ADN. La carence en vitamine B12 est très répandue dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, en Inde et en Amérique centrale et du Sud. Ceci est principalement dû aux faibles apports en produits issus des animaux, particulièrement chez la classe pauvre. Les personnes concernées par une carence de cette vitamine sont le plus souvent les seniors, les femmes enceintes et allaitantes, celles qui souffrent de gastrite atrophique ainsi que les personnes ayant une faible immunité. Les importants bienfaits de la vitamine B12 pour la santé. La vitamine B12 est la seule des vitamines B que l'organisme stocke en grande quantité, principalement dans le foie. En raison de l'extrême importance de cette vitamine, le foie peut stocker l'équivalent de 3 à 5 années de vitamine B12 dans des conditions normales et fonctionnelles. Et ce pour plusieurs raisons, Advertising Red Invented by TEADS protège la santé cardiaque, la vitamine B12 réduit le taux d'homocystéine dans l'organisme, ce qui permet de prévenir les maladies cardiovasculaires qui sont en fait la première cause de décès dans le monde entier. Évite les dommages aux nerfs, la vitamine B12 reconstitue la gaine de myéline qui entoure les nerfs afin de les protéger des dangers possibles. Aide à produire des globules rouges, la vitamine B12 est nécessaire pour aider l'organisme à produire un niveau sain de globules rouges, et éviter une anémie mégaloblastique, qui peut causer la fatigue chronique et la faiblesse. Augmente les niveaux d'énergie, la vitamine B12 est très importante pour le métabolisme puisqu'elle aide à convertir les hydrates de carbone en sucre afin que le corps puisse les utiliser pour l'énergie. Ainsi, cette vitamine augmente notre niveau d'énergie. C'est pourquoi les personnes souffrant d'un déficit en cette vitamine se sentent fatiguées et épuisées. Advertising Red Invented by TEADS améliore l'humeur et favorise le bon fonctionnement du système nerveux. La vitamine B12 joue un rôle important dans la régulation de l'humeur et la diminution de la dépression et de l'anxiété. Elle est également nécessaire pour la concentration et les processus cognitifs. De ce fait, une carence peut entraîner des problèmes de concentration ainsi que des troubles de l'attention. Favorise une grossesse sans problème, la vitamine B12 est essentielle pour la croissance et le développement du fœtus mais pas que, ce nutriment réduit également le risque de malformations congénitales, comme les anomalies de la fermeture du tube neural. Quels sont alors les symptômes d'une carence en vitamine B12? Anémie, la vitamine B12 augmente la production des globules rouges dans le corps, globules qui permettent de transporter l'oxygène vers le cœur. La carence en vitamine B12 conduit donc à un état où les muscles et le cœur ne peuvent pas obtenir assez d'oxygène pour leur fonctionnement normal. La carence en vitamine B12 peut entraîner un dérèglement de la formation de ces globules sanguins pouvant conduire à une anémie pernicieuse et porter sévèrement atteinte au métabolisme. Épuisement, de faibles niveaux d'oxygène dans le corps vous donneront l'impression d'être fatigué, épuisé et somnole. Si vous remarquez que vous présentez l'un de ces symptômes, consultez un médecin. Advertising Red Invented by TEADS gêne dans les pieds et la tête. Des symptômes tels qu'une gêne au niveau des pieds et de la tête apparaissent à la suite d'un déficit en oxygène dans le corps. Langue gonflée et enflammée, à une langue gonflée, lisse et qui présente peu de papilles, qui donne le sens du goût, est un autre symptôme qui se produit lorsqu'on manque de vitamine B12. Les 4 aliments les plus riches en vitamine B12, voici quelques-uns des aliments riches en vitamine B12 que vous devez consommer régulièrement pour s'assurer d'obtenir les quantités nécessaires à votre corps. Foie de bœuf, le principal avantage de manger du foie est sa teneur très élevée en vitamine B12, mais il est également riche en fer et en acide folique.
Ce sont trois nutriments qui peuvent aider à combattre l'anémie. Sardines. Les sardines sont très riches en vitamine B12, et elles sont aussi incroyablement riches en acide gras oméga-3. Agneau. C'est l'un des meilleurs aliments riches en vitamine B12, et il est également très riche en protéines, en fer, en sélénium et en zinc. Les œufs sont une excellente source de vitamine B12. Ils contiennent également de la choline, dont dépend notre foie pour fonctionner correctement. Plus grand que